depuis quelques jours que je me casse la tête. Je trouve qu'il y a un manque de place sur cet établi. Alors, j'ai un petit peu cogité. Alors, certes, il y aura tout le caisson en bas qui sera complètement vide, où je pourrais mettre tout un tas de bordel. Mais je me suis dit que, vu l'épaisseur, vu la hauteur des traverses, ici, je pensais qu'il était vachement plus judicieux de rajouter un double fond. Ici, il y a à peu près 9 cm qui sont perdus. Donc, je pense que je vais réaliser une rainure ici, sur les 4 traverses, et y enfiler un fond quand je serai au montage. Ça me permettra de gagner quelques centimètres cubes, mais c'est jamais perdu. On n'a jamais assez de place dans un atelier. Je pense que ça peut être bien utile pour ranger, par exemple, tout ce qui est boîte, les boîtes de rabot, éventuellement des boîtes de vis, enfin, tout le petit bordel qui nous emmerde au quotidien. J'ai réalisé des petites planchettes en off pour gagner un peu de temps déjà sur le montage et pour réaliser le fond du fond de l'établi. Là, je sais pas si je suis très clair. Peut-être. Bon, je vais faire une petite languette. Tout simple, à la toupie, j'ai l'outil qui va bien. La machine est pointée, il n'y a pas de souci. Et je vais utiliser l'entraîneur. Quand on peut l'utiliser, on l'utilise. C'est une sécurité. Que ça ne choque personne, les rainures ici, c'est des fers théoriquement pour faire du lambris. Ça fonctionne très bien aussi pour faire de la rainure languette, hein, on soit d'accord. Le seul inconvénient, c'est qu'ici, en contreparement, le jour ici n'est pas très joli. Alors, ça peut avoir son charme. J'aime bien l'effet que ça donne. Je ne sais pas si je vais pas le laisser dans ce sens-là. Alors pour la petite histoire, si vous avez fait attention dans le timelapse, vous auriez dû remarquer que j'avais fait une erreur. Alors, je vous l'expliquais. Alors, d'une erreur découle derrière tout un tas de merde qui suit. C'était l'orgie, l'apocalypse de l'atelier. Hier, j'étais fin énervé. Vous allez comprendre pourquoi je vais vous expliquer. En fait, si vous regardez bien le timelapse, si vous revenez un petit peu en arrière, donc je vais vous remettre l'écran, la partie que j'ai collée ici. En fait, cette traverse-là, je l'avais mise à l'envers. Alors là, gros moment de stress. Mais c'est pas tout. Le pire, c'est pas ça. Encore, j'aurais pu démonter. C'était pas trop un gros problème. Mais, couillon comme je suis, ça m'emmerde. Couillon comme je suis, comme je le disais, j'avais
j'avais chevillé. Tac tac. Les quatre, les quatre tenons étaient chevillés. Donc deux chevilles par tenon et en plus chevillage à la tire. Alors je vous explique pas la galère pour retirer cette traverse. Il a fallu que je perce au bon diamètre pour pouvoir enlever l'excédent de bois se trouvant dans le trou de la cheville. Donc ça a été un peu folklore. J'ai passé, sans déconner, bien une demi-heure à me speeder l'anus pour que la colle ne sèche pas. Alors là, une fois que la colle était prise, c'était mort. Et bien sûr, bien entendu, hier, il faisait 28 degrés. Donc, ça a été très, très, très compliqué. Mes voisins, je pense qu'ils m'ont entendu gueuler au moins 200 ou 300 mètres plus bas. En tout état de cause, j'ai réussi à sauver les meubles, c'est le cas de le dire, et heureusement, parce que je me voyais mal recouper, refaire une mortaise. Le problème, c'est que comme c'était chevillé en bas, j'aurais dû couper aussi la traverse du bas. Alors, la galère. Donc, j'ai voulu aller trop vite, je me suis fait avoir, ça ne m'arrivera. Ne jamais dire ça n'arrivera plus. Bon, bref, prends ton temps, fais les choses bien, fais pas le con comme moi, fais pas le con 500 mg, ça peut servir. Donc, l'erreur est rectifiée, j'ai juste à remettre des chevilles. Ça a été franchement la catastrophe. Avec la bande son de la dernière prise vidéo, j'ai dû recommencer. Je suis en train de recommencer mes rushs. Donc, l'autre traitement est complètement affleuré. Les petits coups de rabot qu'elle est bien pour faire affleurer les arasements sont tip top. Du coup, je m'attaque à la partie où j'avais fait la boulette. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai inversé cette traverse là, je l'ai mise à l'envers. Donc, forcément, ça pouvait pas aller pour serrer. Les grandes traverses basses, c'était problématique. Donc, c'est parti, je continue, j'arrase mes chevilles, je rabote tout ce qui peut éventuellement dépasser. Il n'y a pas grand chose, c'est quasiment parfait. Bien qu'il y ait encore un petit peu de boulot de grattage de colle parce que j'ai fait le goré, j'ai pas nettoyé la colle parce que j'étais tellement crevé que je l'ai laissé pourrir sur place. Bon, allez, c'est parti, arrasage. Encore un nouveau mot au catalogue.
Bon, ça y est, j'ai repris les arasements de chacune de mes traverses. Il va me rester à faire, à monter le pied au sol, insérer le deuxième fond et y installer les deux plateaux. Alors là, par contre, là en revanche, je vais être obligé de me faire aider parce que ça pèse, comme je vous disais, 53 kilos pièce. Donc, c'est lourd. Alors pour la petite histoire, sur le double fond de l'établi, je me suis fait un petit peu chier, je me suis fait un petit plaisir surtout, c'est une symétrie sur les panneaux. Les panneaux du fond qui ne se verront pas sont en symétrie. Je me suis un petit peu cassé la tête. Non, enfin bref, c'était juste un plaisir. C'est histoire de dire qu'on pousse un petit peu le bouchon un petit peu trop loin, Maurice. Voilà. Donc sur les premières, ça ne se voit pas forcément, mais sur les deux du centre, la symétrie est quasiment parfaite. Donc c'est cool.
vache. Bon, le plus dur est passé. Bon, ça y est, les deux plateaux sont en place. J'en ai chié, comme je vous le disais. Je vais commencer à mettre les petites vis en torx, je ne sais plus combien. 5, je crois. Enfin, c'est gros, hein. Et pour m'aider, plutôt que d'avoir à faire un avant-trou, normalement dans le mètre, ça devrait bien passer. Les plateaux sont fixés sur leur piétement. C'est pas parfait, mais il n'y a pas de désaffleur. Il y a un poil, mais alors ça sera repris certainement à la varlope, mais j'en ai pas, donc on va trouver une autre solution. Je vais laisser le plateau travailler, je le reprendrai d'ici quelques semaines, moi, pouvoir commencer à évoluer. Normalement, ça ne devrait pas bouger, enfin, je l'espère. Je vais juste me concentrer sur les petites finitions que j'ai à faire sur le plateau. Il n'y a pas grand-chose. Là, j'ai un petit désaffleur, c'est tout à fait normal, j'avais fait exprès de laisser. Donc, un coup de rabot et on n'en parle plus. Sinon, je suis assez content de l'ensemble. Comme je le disais, c'est pas parfait, attention, hein. C'est relativement lourd et ben, ça bouge pas, nom de Dieu, c'est ça qu'il me fallait. Donc ben voilà, c'était la fin de cette vidéo. Donc c'était un petit peu du tout venant, du vrac, le plateau, le piétement, le fond. Il y a encore moult travail à faire. Il y aura d'autres vidéos, bien évidemment. Il y a encore la presse frontale à installer, il y a l'homme mort ou le Denman, comme c'est inscrit dans les plans que j'ai téléchargés sur le site de Fine Tools. D'ailleurs, je vous invite à les télécharger si vous voulez. Les liens seront dans la description de la vidéo. On peut dire que ça claque. Je suis assez content de moi, bien que, comme je vous le disais, c'est pas parfait. C'est un établi, c'est un meuble destiné à travailler. Donc, il va en avoir de toutes les couleurs, je peux vous le garantir. Alors je vais essayer de le préserver au maximum. L'épaisseur du plateau fait que je pourrais éventuellement le surfacer, c'est pas un problème. C'était fait pour. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues nous voir sur le Salon du Bois à Épinal, l'atelier Touchons du Bois. Ça a été un grand moment. Un très bon millésime. C'est ma sixième participation. Je ne compte pas m'arrêter là, bien évidemment. Si Michel me fait encore confiance, je pense que on peut se revoir encore quelques années. Un grand merci à vous, merci de votre patience et à très bientôt. Donc, pour ceux qui ont aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à poser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous avez 3 secondes pour le faire, sinon je m'énerve. Moi, je suis un dingue. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Sur ce, je vous laisse et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne.